Bonjour frères et sœurs et amis, je vais vous apporter une petite vérité qui va déranger, mais bon, elle n'est pas toujours bonne la vérité, mais il faut la proclamer. Alors ouvrez bien vos oreilles de ce que je veux dire à tous les religieux de ce monde. Ça veut dire les catholiques, les protestants, les évangélistes, les orthodoxes, les juifs, les musulmans, qui disent qu'ils ont la vérité. Et tous les religieux y croyant à l'Ancien Testament. Oui, parce que l'Ancien Testament, vous l'avez. Les juifs étonnant la Torah, les catholiques étonnant la Bible, et ainsi que les protestants étonnant la Bible, les musulmans tenant le Coran. Alors ça veut dire que, en réalité, vous les religieux, vous êtes tous à y croire l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, nous savons que Dieu est un Dieu puissant, parce que on le proclame d'ailleurs derrière notre estrade, Dieu est un Dieu puissant, parce qu'il a créé le ciel et la terre. En réalité, vous tenez tous le livre qui est l'Ancien Testament. Et la bête offre sa médecine. Et la médecine qui ne peut pas vous guérir, en réalité, parce que vous recevez le Covid-19. Et le Covid-19 que vous recevez pour l'injecter à l'intérieur de votre corps, et c'est notre corps à nous qui va combattre la maladie. Et que cette maladie va être détruite avec nos cellules qui sont à l'intérieur. Tous les 3 mois, et tous les 3 mois, vous éjectez dans votre corps, vous les chrétiens et vous les religieux de ce monde, vous recevez le vaccin, et vous le vaccin, vous l'acceptez tous les 3 mois. Et vous dites que vous êtes des serviteurs de Dieu, vous dites que vous êtes des enfants de Dieu, vous dites que vous êtes des croyants, et vous croyez au Dieu Tout-Puissant. Que vous proclamez que le Dieu est Tout-Puissant à travers de votre bouche, et que là, le Covid-19, vous n'avez aucune puissance. Vous n'avez aucun pouvoir. Mais comment ça se fait que le Dieu que vous possédez, vous les religieux, vous n'avez aucune puissance devant le Covid-19? Alors on reconnaît un arbre à son fruit. Vous dites que vous êtes des serviteurs de Dieu, et en réalité, vous êtes attachés au monde. Et vous êtes attachés à la bête qui est 666. Le peuple d'Israël, il dit qu'ils servent Dieu. Mais pourtant, ils se prosternent devant le mur de la Lamentation et mettant des petites prières. Si on va chez les catholiques, ils se prosternent devant des idoles taillées et des reliques. Alors les protestants, ils sont attachés à la charte qui marie les hommes avec les hommes. Ils mangeont à toute étape. Le Covid-19, c'est une maladie, c'est un vaccin qui est éjecté à l'intérieur de la personne. C'est une maladie en réalité, et notre cellule, ils vont essayer de les détruire. Pour enfin de retrouver la santé. Mais si on continue toujours prendre les vaccins, tous les 3 mois, à l'intérieur, notre corps ne pourra plus détruire les maladies, parce qu'on aura, il n'aura plus de force à l'intérieur, à force de mettre des maladies. Ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu. Et le temple de Dieu, on ne jette pas des maladies. On ne doit pas prendre le venin de notre ennemi et de le mettre à l'intérieur, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, et comme Dieu demeure en nous, on ne fera pas notre temple une prostituée, et dans notre temple, on ne exjette pas des maladies à l'intérieur. Il ne faut pas confondre la maladie, elle vient improvise, elle nous saisit, on prend de la fièvre, on est malade, on prend des médicaments, le docteur des médicaments, ça c'est pas pareil que là, on est en bonne santé et on vient vers vous en disant il faut prendre ce vaccin, c'est obligatoire de prendre ce vaccin. Si vous ne le prenez pas, ben vous pouvez ni acheter ni vendre. Alors c'est plus le vaccin, c'est du chantage, et le chantage n'est pas à la gloire de Dieu. Et nous voyons bien que c'est la bête, le roi de la terre, il est essayant de faire la guerre aux saints et à ceux qui, même qui ne croient pas en Dieu, mais qui tous vont y passer. Tous les hommes dans ce monde, qu'ils soient esclaves, qu'ils soient libres, qu'ils soient riches, en réalité, tout le monde doit prendre le chiffre de la bête, et celui qui ne prend pas le chiffre de la bête pourra ni acheter ni vendre. Et rappelez-vous ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Celui qui ne se prosternera pas devant la bête et sera mis à mort. Alors, si vous ne comprenez pas ce que je dis, mais cherchez à comprendre ce que vos religieux, soi-disant qui disent que ce sont des hommes de Dieu, comment ça se fait que ces hommes religieux ne sont pas capables de guérir le Covid-19 au milieu de vos assemblées, et que vous avez le masque sur vous, et vous le gardez constamment toute la journée, et que vous le gardez aussi dans l'assemblée, et vous priez Dieu en disant, Dieu c'est un Dieu de miracles, un Dieu de prodiges, un Dieu de guérison, et en réalité, vous les prédicateurs, vous les chrétiens, vous les religieux, quel que soit le titre que vous possédez, en réalité, et que vous dites que c'est un Dieu véritable, un Dieu unique, qui a créé le ciel et la terre, il est tout est possible à celui qui croit en Dieu, alors tout est possible à celui qui croit en Dieu, et en réalité, vous avez tout le masque.
et vous, les religieux, vous poussez vos chrétiens à rentrer dans le monde pour enfin que le monde puisse donner le vaccin et que le vaccin n'est pas à la gloire de Dieu. Parce que c'est une maladie qui jette à l'intérieur de nous. Et la Bible nous dit, ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu? Et le temple de Dieu, on ne jette pas des maladies